la rencontre du nouveau monde, c'est permettre le dialogue citoyen, rassembler les citoyens au-delà des clivages habituels pour orienter les débats vers les solutions. On essaie de mettre en lumière les alternatives, c'est de créer des synergies encore une fois. Typiquement, c'est détricoter le travail des politiques qui, eux, ont tout intérêt à fractionner la population, c'est-à-dire vieux contre jeunes, français contre étrangers, travailleurs contre chômeurs, riches contre pauvres, de permettre le dialogue et pas forcément de tomber d'accord, mais au moins de pouvoir s'entendre, au moins de pouvoir se parler. Comme je dis souvent, ce que ça m'a apporté, tout sauf de l'argent, mais tant mieux parce qu'à mon âge, j'ai pas tant besoin d'argent. Donc ça m'a apporté des compétences, du réseau, des souvenirs, des opportunités, une ouverture même spirituelle. Donc ça m'a rendu heureux et après tout, pourquoi vit-on si ce n'est pas pour être heureux ? C'est ça le pari, c'est que en fait, le bon sens des alternatives et l'enjeu de l'époque font que on peut réunir sur des enjeux communs comme ça. En retour de voyage, j'avais l'envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et quitte à militer, je voulais être plutôt du côté des solutions. Aujourd'hui, des citoyens qui discutent et des associations et des conférences et des ateliers, c'est pas ce qui manque. À mon avis, ce qui manque, c'est des efforts vers la convergence des alternatives. Tout comme Nuit Debout était formidable pour la convergence des luttes, bah là, on a besoin aujourd'hui, et à mon avis de l'époque, à mon avis, le devoir de notre génération, c'est de faire converger les alternatives pour que le grand public puisse enfin identifier ces solutions. En fait, on fait une sorte d'exposition sur le même principe que Informaction qui fait ça à Toulouse. D'ailleurs, c'est une initiative formidable, Informaction. Et donc nous, on l'a mis en plastique, ce qui existe à Montpellier, en gros ce qui est extrait du guide des alternatives, et on fait des expositions à Montpellier sur la Comédie ou au Parc du Pérou. Le printemps et l'été dernier, on a fait des apéros du Nouveau Monde, donc en fait on essaie de lier l'utile à l'agréable. On fait venir des citoyens, on leur a dit venez au moins pour l'apéro quoi. Et puisque vous êtes là, si vous voulez, pourquoi pas participer. On fait des ateliers citoyens, des ateliers de déminage de mots. Enfin, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Parce qu'après tout, même le Front National peut se targuer d'être une alternative quoi. Donc attention, qu'est-ce qu'on y met dedans? Ça peut être des apéros du Nouveau Monde, ça peut être des conférences sur les alternatives ou sur comment dépasser les clivages. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'initiative pour parler politique au-delà des clivages habituels. Quand il y a un paysan qui met du glyphosate dans sa terre, je ne pense pas qu'il le fasse avec plaisir. A priori, quand on est paysan, c'est qu'on a l'amour de la nature, l'amour de la terre, et ce n'est pas un plaisir de tuer la nature, quoi. Donc, si on peut lui permettre de savoir qu'il y a une autre manière de travailler la terre, qu'il y a la permaculture qui est très efficace. Enfin, l'INRA vient de le reconnaître, après des années aussi de lobby interne, tout ça. Parce qu'il faut aussi parler en lobby, en marketing, en communication, parce qu'en face, ils sont armés. Enfin, je veux dire, les néolibéraux, eux, ils sont armés. Ils s'entendent très bien entre eux. À nous de nous entendre aussi pour faire émerger ce nouveau monde. Malheureusement, même dans le secteur des alternatives, on se retrouve un peu entre soi. Des militants écolos qui sont déjà dans les rouages, dans les circuits, dans les associations, qui sont présidents d'asso. Et sauf qu'aujourd'hui, ça suffit plus. Le grand public, comme je disais tout à l'heure, il y a un paradoxe, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. Nous, il faut qu'on sorte de notre cercle social. Le nouveau monde est déjà là, il n'y a même pas besoin de l'inventer, quoi. Faut juste le pousser, c'est-à-dire le communiquer, le faire connaître. Plutôt que de passer son énergie à critiquer l'ancien monde, enfin, je veux dire, la finance, les contradictions du capitalisme sont en train de le détruire de lui-même, quoi. Donc
Il y a surtout besoin, aujourd'hui, on a besoin de soldats de la convergence sur les alternatives et les solutions écologiques, sociales, politiques. Enfin, on n'a pas besoin de gens spécialisés, on a besoin au contraire d'intelligence multiple, de personnes qui lient les choses entre elles et qui répondent à la complexité de notre époque. Disons que, pour faire simple, si nous on fait rien, la prochaine génération n'aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix, d'un point de vue moral.